Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. La partie n'a pas, j'ai pas avancé sur la partie depuis la dernière fois. Alors, on avait fini le jeu, on avait battu le boss de fin, le Hollow Knight. On l'avait battu en milieu de stream, je pense. On avait continué à se balader, on avait visité les je ne sais plus comment s'appelle cette zone, une zone qui était tout en haut à gauche de la map. On avait découvert une espèce de flamme rouge qui a débloqué quelque chose dans Dirtmouth, mais on va aller voir ça juste après. Vous allez peut-être me dire, mais Ptyze, voyons, on a fini le jeu, qu'est-ce qu'on fait à continuer à jouer? Alors je vais lancer le jeu hein, pendant que je raconte ma vie. Mais Ptyze, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on continue à jouer? Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, normalement vous allez avoir la musique qui va arriver hein, bientôt, mais on s'est rendu compte qu'on était à seulement 60% de réussite dans le jeu après avoir battu le boss de fin. Donc nous, notre partie, la partie qu'on fait ensemble, c'est la deuxième. La première, c'est ma première partie. Et la troisième, c'est une partie que j'essaye, que j'ai commencé en essayant d'aller le plus vite possible. Parce que bon, il y a un des défis comment je vais dire, dans les success teams de Hollow Knight, c'est un défi de speedrun. Alors j'ai jamais été particulièrement speedrunner, mais j'avais envie de voir ce que ça donne. Et donc, bah, on voit qu'en 1 heure, j'ai atteint la Cité des Larmes, ce qui avait demandé, je pense, peut-être 3 ou 4 heures lors de notre premier stream. Mais bon, voilà, en l'occurrence, là, c'était en stream, donc je prenais le temps. Que là, cette partie-là, je l'ai vraiment fait en mode je fonce et bon, ça se passe pas trop mal. Du coup, nous, notre partie, c'est donc la deuxième qu'on voit. On voit qu'on est à 61%. Or, il faut savoir que il y a au total 112% dans Hollow Knight. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 100% plus des DLC inclus avec le jeu, qui donne un total du coup de 112%. Mais donc, on se rend compte qu'avec nos 61% de réussite, en vrai, il y a presque la moitié du jeu qu'on n'a pas débloqué. Enfin, près de la moitié, disons, des pourcentages d'achèvement qu'on n'a pas réussi à faire. Donc il y a encore énormément de choses à voir dans ce jeu, malgré le fait qu'on ait battu le boss de fin. D'autant plus que on a battu le boss de fin, on a débloqué donc la première fin. Alors pour ceux qui se rappellent pas, attention, gros spoil, hein, on s'est battu donc contre le Hollow Knight, et ce Hollow Knight débordait comment je vais dire, de l'infection orange, il en débordait, et lorsqu'on l'a battu, on a fini par absorber toute l'infection pour au final se retrouver à la place du Hollow Knight, enfermé dans l'œuf noir et à contenir l'infection, on suppose, à la place du Hollow Knight. Donc c'est ça qui s'est passé, et après le jeu nous a ramené juste avant combattre le Hollow Knight un peu à la façon des Zelda pour ceux qui voient ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on finit le jeu, au final on est ramené, quand on a fini, on débloque bah, là, le pourcentage ou certaines choses comme ça, et on se retrouve en fait juste avant notre dernière bataille à pouvoir en fait retourner visiter le monde. Donc là je vais lancer notre partie. Voilà, donc là on est à Dirtmouth. Et si on regarde notre. Non, pardon, c'est pas là. Notre carte, on voit donc toutes les choses qu'on a pu débloquer hein, dans les précédents streams. Donc voilà, donc c'est les falaises hurlantes qu'on a trouvées lors de la fin du dernier stream. Et on remarque qu'il y a ici notamment les jardins de la reine qu'on n'a pas encore fait. Il y a ici tout à droite toute une zone en haut là dans la Cité des Larmes ici hein, qu'on n'a pas vu parce que c'est quand même une grosse zone d'ombre. Et ici donc les frontières du royaume tout à droite où on a encore une fois juste la carte et où on n'a pas été encore dedans. Et en plus de ça, moi je vous le dis, il y a toute une zone ici en bas, en dessous du bassin ancestral, dans laquelle on n'a pas encore été, et dont la porte est ici au milieu. Mais pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Donc ça nous fait quand même un certain nombre de choses à faire. Et en plus de ça,
Il faut savoir que on a battu le Hollow Knight, on l'a remplacé, on a contenu l'infection, mais c'est quand même pas très clair ce qui s'est passé, enfin, on comprend pas bien. Et en fait, c'est parce que pour comprendre toute l'histoire, il faut finir les plusieurs fins qui nous sont proposées par le jeu. Et pour atteindre enfin, la fin qui pourra nous donner le plus d'explications, bah, il faut en fait qu'on améliore notre aiguillon des rêves pour atteindre en fait. Je pense que c'est la voyante qui nous explique que plus on va améliorer notre aiguillon des rêves et plus on va pouvoir rentrer profondément dans les rêves oubliés de ce monde. Et du coup, au plus on va développer notre aiguillon et au plus on va comprendre les origines du monde dans lequel nous sommes et donc peut-être comprendre l'origine de tous les problèmes qu'il y a dans Alonest. Moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, ce serait plutôt d'aller visiter ces différentes zones qu'on n'a pas encore vues, malgré le fait qu'on a déjà quelques heures de jeu. Alors, comment on va faire? Bah déjà, on peut voir qu'il y a un nouveau panneau qui est arrivé ici, qu'on ne connaissait pas avant, et en fait, c'est quoi? C'est suite à l'espèce de flamme rouge que nous avons allumée la dernière fois, il y a ces tentes qui sont apparues à côté de Dirtmouth. Et donc bah déjà je vous propose qu'on rentre pour voir ce qui se passe, parce que je trouve que c'est intrigant. Nous avons un musicien ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Babala, Geno. Vous nous avez appelé? Parlez au maître. Donc apparemment on l'a appelé. Alors on les a appelés et donc je suppose que c'est en allumant la flamme qu'on a vue la dernière fois qu'on a donc appelé cette troupe. Alors, c'est vous qui nous avez appelés. Quelle heureuse rencontre, mon ami. Une très bonne surprise. Je suis Grimm, maître de cette troupe. C'est donc le maître de la troupe, Grimm, qui nous parle. La lanterne a été allumée et votre appel a bien été entendu. Une scène parfaite que vous avez choisie. Ce royaume envahi par les vers et les racines. Une terre parfaite sur laquelle notre rituel aura lieu. Et vous, mon ami, votre rôle est loin d'être terminé. Notre pacte s'écrivit en feu rouge le jour où la lanterne s'est illuminée et nous a dévoilé le rôle que vous aurez à jouer. Nous sommes désireux de vous voir commencer, mais d'abord, un peu d'éclairage est nécessaire. À travers ces terres, mon espèce se répand, récoltant cette essence propre à ma race, la flamme des rêves. Cherchez ceux de ma race, réclamez leur flamme et rapportez-la à moi. Ensemble, nous ferons des merveilles. Mais ne vous inquiétez pas, pour cette tâche, vous ne voyagerez pas seul. Mon enfant vous guidera vers la flamme et rassemblera en son être cette essence brûlante. Comme vous, l'enfant joue un rôle clé dans cette tâche. Seulement avec mon enfant à vos côtés, la flamme et ceux de ma race se révéleront à vous. On a donc une ambiance très cirque, très spectacle. Il est apparu avec des lumières, des roulements de tambour, un espèce de flash de magicien. Et il nous a donné un charme qu'il dit être son fils, qui d'ailleurs s'appelle l'héritier de Grimm, et qui nous a dit d'aller chercher ceux de la race de Grimm, donc de sa race à lui, et de collecter leurs flammes. Des flammes non collectées apparaîtront sur la carte du porteur. Donc, on va aller chercher un banc. Alors, est-ce que lui, il nous change ce qu'il raconte? La flamme, trouvez-la. Pour le maître, pour notre espèce. D'accord. Donc, en allumant la flamme, on a déclenché un rituel que nous demande Grimm. Donc, Grimm nous demande de réaliser. Ah bah tiens, elle est toujours là, elle. Et donc, qu'est-ce que ça donne si on essaye d'équiper? Donc, on a besoin de combien de places? De deux. Imaginons, j'enlève le tourmenteur d'âme pour l'instant pour voir ce que ça donne. On a donc
un bébé Grimm qui est là et qui nous suit. Et il a dit qu'il y aurait quelque chose qui apparaîtrait sur notre carte. Oui, voilà. Donc on a trois flammes qui sont apparues maintenant sur notre carte. Et d'après Grimm, il faut qu'on parte à leur recherche. Bon, alors là, ça m'arrange pas trop parce qu'il n'y en a aucune qui est sur notre chemin. Donc tant pis, ce sera pour une autre fois. On essaiera de voir peut-être plus tard. Mais parce que pour l'instant, moi, j'aimerais bien qu'on aille se balader un peu dans ces zones qu'on n'a pas encore vues. Et pour ça, on va commencer par essayer d'aller dans les frontières du royaume. Et pour ça, on peut voir qu'il y a un chemin ici, là. Il y a un chemin... c'est vrai que je vous montre, vous ne voyez pas. Ici, au milieu, il y a un chemin qui part vers la gauche et qui ramène, on a l'impression, au-dessus de la station du roi, ici. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on aille à la station du roi et qu'on essaye de rejoindre les frontières du royaume. Dis-moi, voilà. Donc notre carte, on n'a pas encore été dans cette zone. Ben voilà, on va la découvrir. On est toujours dans une zone un peu plus, dans la zone un peu plus riche de Alonest, hein, je sais pas, de la cité des larmes. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais quand on avait été au tout début dans la première zone de la cité des larmes, c'était une zone un peu moins chic que ce qu'on peut voir ici. Je vais descendre. Oh, il y a plusieurs étages. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent. Hop. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une zone de la cité des larmes qui avait l'air quand même un peu plus aisée. Et qui est un peu la bourgeoisie peut-être de Alonest. Et nous sommes toujours dans cette partie-là. Ah, il y a quelque chose ici. Hein, il est protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Journal d'un voyageur. C'est toujours ça. Ça nous fait toujours de l'argent. Bon, j'ai l'impression qu'on a un peu dépassé l'endroit, c'est pas grave, on va continuer à avancer. Peut-être que c'est froid. Oh, peut-être qu'ici ça va nous débloquer la route pour aller à... Ah non. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ? Ce symbole en bas à droite, je me rappelle plus ce que c'est. Oh, c'est le repos éternel. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. On va redescendre. Donc si je calcule bien, en fait on a, voilà, c'est ça. Donc en fait là on est à la base de l'ascenseur qui est qu'on voit ici là dans la cité, enfin dans au-dessus dans le repos éternel. Et donc on est à la base de cet ascenseur là. Ok, donc le symbole qui est ici, ça doit être le repos éternel. Ok, très bien. C'est intéressant toujours de les attaquer parce qu'ils ont quand même beaucoup d'argent sur eux. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des choses au-dessus? Ici à droite, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Quelque chose au-dessus? Non. Donc ça, c'est une zone qu'on n'a pas encore visitée. Je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a ici. Ah. Ok, la musique a changé. Certainement c'est une phase un peu... Ah, peut-être que c'est genre un coffre-fort. Oups. Aïe aïe aïe. Oh non 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 non. Hop hop hop. Ouh là 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 là. De récupérer un peu de vie parce que pour l'instant on se fait bien avoir. Ok, c'est bon. Ok, pour un réceptacle d'âme, je sais plus comment c'est comme ça que ça s'appelle. Ah bah ils ne le disent pas. Des fragments de réceptacle, voilà. Donc un fragment de réceptacle. Donc on a déjà deux. Oh, on a déjà 3 portions de masque, enfin 3 éclats de masque, pardon, et 2 fragments de réceptacle, ce qui fait que dans les deux cas, si on en récupère encore un seul, on va gagner
va gagner bah, du coup un masque ou un réceptacle en plus. Bon, alors, il me semblait que, d'après la carte, on arrivait à peu près là. Mais du coup, je pense que bah, j'ai fait une erreur de calcul et que c'est pas par ici. Bon, c'est pas grave. On va aller s'asseoir sur un banc pour voir un peu tout ce qu'on a débloqué, voir si on n'aurait pas raté une sortie et si pas, on cherchera une autre entrée du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit notre carte? Ok, donc effectivement. Ah! Alors, je sais pas si vous le voyez, mais on voit donc maintenant le nouveau. Comment je vais dire? Nouvel ascenseur qui vient d'apparaître et qui renvoie vers le repos éternel. Et il y a une petite sortie qu'on peut voir au niveau du dessin de l'ascenseur. Donc, ça veut dire que il y a sûrement moyen de prendre ce chemin-là. Faut qu'on retourne à l'ascenseur et pour récupérer quelques pièces, parce que c'est toujours intéressant. Parce que à partir de maintenant, moi le prochain truc que j'aimerais bien acheter, ce serait un emplacement de charme. Parce que si vous regardez, si je vous montre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements de charme, mais bon, au final. J'ai moyen de bien m'armer, mais disons qu'un emplacement de charme en plus, ce serait très agréable. Ce serait assez sympathique. Mais il coûte assez cher puisqu'il coûte 1400 géo, ce qui est énorme. Donc on a bien vu que si on prenait l'ascenseur, ça nous ramenait tout en haut. Je dirais, est-ce qu'on peut grimper? Ah voilà. Mais donc voilà, donc on a besoin de 1400 géo et en plus j'ai besoin d'au moins 3 charmes en plus que ce que j'avais au moment où j'ai été le voir. Ça c'était juste avant le stream hein, que j'ai été. Alors est-ce que. Ok, donc là je suis monté un peu haut, mais normalement on devrait le voir dans le coin droit ici. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez sur votre écran à vous, mais donc voilà, moi je l'avais remarqué. Donc c'est bien ici. Mais donc je disais, là donc on a reçu un nouveau charme de la part du maître Grimm, mais donc il nous manque encore 2 charmes pour avoir le droit d'acheter un emplacement de charme en plus. Mais en plus de ça coûtera 1400 géo, ce qui est très cher. Oh mince, je réussis, je me le suis pris quand même. Alors. D'accord, c'est une impasse. Ok, bon. Alors, si c'est une impasse, ça veut dire qu'on doit venir par ailleurs. Alors. Ok, bon. Alors, on remarque que du coup, on a bien des chemins qui se dessinent vers la gauche, mais nous, de notre côté à nous, c'est à chaque fois complètement vide. On voit la marque du Colisée des Fous, qu'on voyait pas avant, je pense. Et à aucun endroit on ne voit de sortie potentielle. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Si, il y a un endroit où on voit une sortie, c'est ici, au milieu, là, dans le bassin ancestral, on a le téléphérique. Le téléphérique qui part vers la droite mais qui ne mène nulle part. Donc ça veut dire qu'on ne l'a jamais pris, ce téléphérique. Donc on peut éventuellement aller le prendre pour aller vers la droite. Voir où ça nous amène. D'ailleurs, on peut voir qu'on n'a jamais été vers la gauche non plus. Ça veut dire que peut-être même qu'on n'a jamais pris le téléphérique tout court, en fait. Est-ce qu'on a déjà pris le téléphérique? Je ne sais pas. Mais quand on a été dans les nids profonds, il y a 2 streams de ça, je pense, on avait récupéré dans le tramway délabré. Ah, bah, du coup, c'est un tramway, c'est pas un téléphérique. On avait récupéré un pass. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant utiliser le tramway. Du coup, on va demander à notre ami de nous emmener dans la station cachée. Et donc là, on doit aller plus haut. J'ai quelque chose ici. Ah, ok, c'est la marque de cornifère.
ici, on a quoi? On a une statue qui ressemble. Ah, je sais pas si vous voyez, mais qui ressemble très fort à cette idole du roi. Ce serait une autre statue du roi, en fait. D'ailleurs, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit? Payer la dîme au roi Pâle d'Alonest. Ok, donc c'est bien une statue en l'honneur du roi. Jetez tous vos géos, non merci. Ok, donc. Est-ce qu'ils disent des choses si on. Revenez-nous. Souverain disparu, nous avons besoin de vous. Revenez-nous. D'accord, donc le roi a disparu et ses sujets le regrettent, si on comprend bien. Alors, un mécanisme avec une fente pour une sorte de laissez-passer. Insérez votre laissez-passer, bah oui. C'est marrant. La musique, c'est vraiment comme si c'était dans un haut-parleur. D'ailleurs, on voit les haut-parleurs. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Non, moi, je voulais aller ici. Appuyez sur le bouton lumineux. Oui. Donc, on suppose qu'effectivement, appuyer à droite, ça nous amènera à droite. Appuyer à gauche, ça nous amènera à gauche. Ça paraîtrait assez cohérent. Et donc, ça nous emmène tout en bas à gauche des frontières du royaume. Ici, on ne voit rien. Ah, on a encore ces bruits-là insupportables qui rappellent beaucoup trop à l'eau. Oh, des abeilles! Est-ce que c'est bien des abeilles? Des ruchelins! La plus petite créature de la ruche effectue uniquement des tâches simples. Donc c'est bien une abeille. Oh, ça bourdonne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça avait pas l'air très méchant. Une mouche boursouflée, une grande créature docile, bourdonne paisiblement dans la caverne qui se situe aux frontières du royaume. Ok, d'accord. Donc c'était effectivement plutôt tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? De là, nous pourrons apprendre. On a encore des abeilles un peu partout. Eh, ce gros machin là, ce serait pas la ruche. Ça ressemble vachement à un nid de guêpe ou de frelon. Cette espèce de texture bizarre. Ah, on s'approche de la zone cartographiée par. C'est là où on était. C'est de là d'où on vient, ça. Ouais, ça c'est de là d'où on vient. Et ça c'est. Ok, donc ça on l'a vu tout à l'heure aussi.
bourdonne, ça bourdonne. Oh! Oh! Ok, on est arrivé dans la zone cartographiée. On peut d'ailleurs voir une carte ici de notre ami Cornifère, mais on l'a raté puisque en fait cette carte, je l'ai achetée chez Iselda, sa femme. En fait, on l'a raté quand il était disponible ici et il est rentré chez lui. Donc ça ne sert plus à rien de le chercher. Par contre, ici on a quelque chose d'intéressant parce que le sol bouge, donc on va pouvoir aller en dessous avec encore de l'argent, très bien. Oh, est-ce qu'on aurait ici une entrée vers la ruche? Effectivement. Ok. Ok, donc de toute évidence, c'est pas l'entrée principale. Une autre entrée, mais en tout cas effectivement ça fait très ruche et ça bourdonne et ça bourdonne et ça bourdonne. Et il me semble qu'il y avait une entrée un peu plus haut. Ah bah voilà, bah on a suffisamment tué de ruches. Faibles mais nombreuses et qui travaillent très dur, leurs petits corps velus sont remplis d'un liquide épais, doux et doré. Le miel, du coup. C'est toujours une bonne idée d'avoir un peu de ce liquide sur vous lorsque vous partez pour de longues chasses. Ok, donc les miels sont... butinent aussi dans le nest. Les abeilles butinent dans le nest. Alors, cette fois, on est... du côté des voies d'eau royales. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est... marrant parce que... Ah, on était dans une zone cachée. On était dans une zone cachée. Ok, on est de retour là, donc dans une zone qu'on connaissait. Avec ici, on voit une sortie qui nous ramène... Ah, mais quelle surprise! Il est si rare que je reçoive des visiteurs. Cela fait tellement longtemps, peut-être même des siècles. J'espère juste ne pas avoir perdu de mes bonnes manières. Vous avez sans aucun doute ressenti mon influence, et vous ne vous êtes pas trompé, car je suis très connu parmi l'aristocratie d'Alonest. Donc il y a bien une bourgeoisie, il y a une aristocratie. Eh bien, du moins, je l'étais autrefois, jusqu'à ce que ces idiots me chassent. Avez-vous rencontré mes anciens camarades? Ce sont eux dehors, vides et dépourvus d'intelligence, faisant des va-et-vient. Quant à moi, je suis encore vivante pour être témoin de leur pathétique disparition. Ah, je suis tellement heureuse. Le destin peut être une chose merveilleuse. D'accord. Et si on lit dans ses pensées, qu'est-ce qu'elle dit? Nul doute que celui-ci rencontrera sa fin à la pointe des aiguillons des gardes de la ville. Je vous survivrai, vous aussi, petit verre. Tout comme je l'ai fait avec les autres. Ok, donc, on a une madame qui s'est faite un peu dégager par l'aristocratie... par l'aristocratie de Alonest. Elle nous souhaite bon vent. Et on retourne... Ok, on arrive ici. Ok, c'est bon, t'inquiète. Ok, donc en fait, si on regarde la carte, c'est ça. En fait, entre là où on a notre tête et là, et l'espèce de porte qu'il y a en dessous, il y a le chemin qu'on vient de prendre. Voilà, c'était ici. Hop. Donc en fait, c'est genre on passe par les égouts, quoi. Vraiment, littéralement.
Ok, et donc tout ça c'est une zone qu'on avait déjà vue, mais on a débloqué un nouvel endroit ici qui n'existait pas avant. Enfin, qu'on n'avait pas encore accès avant. Et donc tout ça nous ramène directement. Hop. Oh, il y a quelque chose ici. Ah, yes! Quelque chose ici aussi. Oups. Ok, ça nous ramène là. D'accord. Et du coup, on redescend. Et on retombe du coup sur les frontières du royaume. Ok. Avec la ruche dans laquelle on a passé un coup d'œil tout à l'heure. Par ici en dessous. Et si je me souviens bien, ici à droite, on retombe donc sur les frontières du royaume. Ok. On n'est pas entré par l'entrée principale de la ruche, on est juste passé sur un côté où il y avait une larve à libérer. Mais non, on n'est pas entré dans la ruche. Mais donc, comme je disais tout à l'heure. Mais non, la ruche, c'est sympa. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a un charme caché au fond de la ruche. Ça peut-être qu'on y fera un tour. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il me manque encore deux charmes pour pouvoir acheter un nouvel emplacement de charme. Et donc, ça pourrait être pas mal. Mais d'abord, on va peut-être visiter les frontières du royaume. Parce qu'on n'y est encore jamais venu. Et c'est une zone qui a l'air vraiment bien. Pourquoi? Parce que là, on voit un guerrier ici, un guerrier plus loin, et ils ont l'air d'être pas très très en forme. Alors on voit ici les cartes de Cornifère, hein, mais comme je disais tout à l'heure, on a déjà acheté la carte chez lui. Ok, donc on voit la sortie, une sortie ici vers la Cité des Larmes. Essayer de retrouver un banc. Oups. Ah non, mince, ça nous a bien eu. Alors ici, il y a quelque chose. Ok, et donc ici, on est de retour à la station du roi. Vous connaissez peut-être pas, mais on est à la station du roi. Donc ça veut dire que ici, on a un banc, et donc on va pouvoir un peu y voir plus clair dans tout ça. Alors, tac, tac, voilà. Ok, donc effectivement, ici, il nous le dessine pas, mais il y a donc bien un chemin. Ok, les deux portes fermées, il y a une porte qui nous renvoie vers les frontières du royaume et une autre qui nous renvoie vers on sait pas quoi. On voit du coup ici en jaune l'entrée de la ruche qu'on a pu prendre, donc on suppose que la vraie entrée est pas très loin. Ok, bon bah voilà, bah on commence à avoir une petite idée. On voit qu'il y a un banc tout au bout là-bas, donc peut-être ça peut être bien d'aller jusqu'au bout voir ce que le jeu a à nous proposer, puisque bah, d'un autre côté, si Cornifère a dessiné jusque-là, généralement, c'est que c'est un peu l'objectif de la zone. En tout cas, c'est comme ça que Cornifère nous a habitués. Ouais, je me disais bien que c'était par là. Que Cornifère nous a habitués à dessiner ses cartes. Du coup, c'était par ici. Hop. Même les mouches, je me les prends. Et donc par ici, hop là, voilà. Voilà. Et la dernière, hop là. Et du coup là, on est un peu haut, donc on va descendre. Oh, ces machins, ils sont insupportables.
s'appelle des sautilleurs. Et si vous avez déjà un peu traîné sur internet pour regarder des. Comment dire. Pour discuter avec la communauté Hollow Knight. Et bien vous savez que la bestiole que je viens de battre fait partie des ennemis les plus détestés du jeu. T'as été au bout des frontières du coup. Non, les frontières je les ai pas encore faites hein. Si on regarde la carte d'ailleurs. Oh mais laisse-moi tranquille. Si on regarde la carte, j'ai pas du tout été aux frontières du royaume. J'ai juste fait l'entrée par le bassin ancestral. Et là maintenant, bah la frontière du royaume, faut les faire maintenant. C'est vrai que ça arrive régulièrement dans les quand on joue à Hollow Knight d'aller dans les frontières plus tôt, mais là on a fini le jeu sans avoir été une seule fois dans les frontières du royaume. Mais du coup on va quand même essayer d'aller jusque là où on nous dit qu'il y a un banc. Oh ces machins là c'est insupportable, je les déteste. Ah! Voilà. Et plus on avance, et plus on tombe sur des ennemis insupportables. Oh là 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 là, franchement. Alors. On va se cacher là-dessous. Alors, un banc, du coup, sur notre carte, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben voilà, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne me rappelle plus. Oh Comment m'as-tu trouvé ici, au bout du monde? Et c'est Oro, le maître d'aiguillon, qui nous parle. Oui, je sais pourquoi tu es ici. Tu es venu apprendre l'art de l'aiguillon du légendaire maître d'aiguillon, Oro. Selon la loi du grand maître d'aiguillon, je dois transmettre mes enseignements à ceux qui en sont dignes. Cependant, aucune loi ne m'interdit d'exiger un paiement en retour. Si tu souhaites réellement que je te prenne sous mon aile, prouve-le avec des géos. Oh pétard, mais non, mais j'étais en train de récupérer des géos pour m'acheter un emplacement de charme, ça coûte méga cher. Bon bah, en plus 800 quoi. Bah oui, vas-y, prends mon argent, tiens. C'est pas grave. Et nous maîtrisons maintenant l'entaille éclair. Nous pouvons maintenir X pour canaliser l'énergie dans notre aiguillon, relâcher le bouton tout en effectuant une ruée pour exécuter l'entaille éclair. Je dois bien avouer que tu es un excellent disciple. Ton habileté avec un aiguillon et ta soif de devenir plus fort, tu me fais penser à mes frères. Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Retourne dans le monde voyageur, laisse-moi à ma solitude. Bam. Final. Très bien. Du coup, si on charge et qu'on fait une attaque, boum, ça fait une méga attaque. Ça, c'est cool. Parce que c'est un coup qui est très fort et qui, du coup, enlève plus de dégâts qu'un coup normal. Donc, notamment quand on est contre un boss qui est en phase, on va dire, de stun, pour ceux à qui ça parle, sinon en phase de où il est étourdi, où il bouge plus, et ben du coup il suffit de charger, de l'attaquer, et du coup on lui envoie plein de coups d'un coup, et c'est sympa. Et donc là on voit qu'il y a quelque chose par la droite, et je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Alors ça c'est un grand sautillère qui est mort. Ok, il y a moyen de plonger, de l'âme. Oh, qu'il y a là-dessous. Ok, on est de retour à la musique normale. On va récupérer un peu d'âme. Bon, on va continuer à plonger, hein. Des sautilleurs.
peu, mais on va la retenter. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Okay. Oh, une larve. Très bien. Oh là là, mais ils sont partout, ces machins. C'est insupportable. Non. Ce stream commence très bien. Donc comme je disais, ces grands sautilleurs là, ils sont absolument insupportables. Oh non, pas de Rayman, pas, on n'est pas sur un retour de Rayman là, c'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Hollow Knight, ça fait, je disais en début de stream, ça fait deux mois et demi maintenant, il faut le temps de m'y remettre, machin. Non, j'ai des limites, j'ai donné avec Rayman, maintenant. En plus, hier j'ai joué un peu à Cuphead et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, il y a des réflexes que j'ai qui viennent de Cuphead, notamment quand je dash dans Cuphead, je suis invincible, que ici pas. Du coup, j'essaie de dasher à travers les ennemis par réflexe, et du coup, je me prends un coup. En plus avec l'autre machin qui crache là. Vas-y, viens. Pas de soucis. En plus ça lui fait rien quoi. Voilà. Ok, donc là on est de l'autre côté de la rue, je trouve, évidence. Sauf que de ce côté-ci, c'est pas des abeilles qu'on a. C'est juste ces machins là, ils s'appellent comment? Des aspides sauvages. Ah, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Entaille rapide. Qu'est-ce que c'est ça, entaille rapide? Un charme formé de la fusion d'aiguillons imparfaits et abandonnés. Ces aiguillons désirent toujours être maniés, permet à son porteur de manier plus rapidement son aiguillon. Oh, c'est pas mal ça! Permet de tirer plus vite, enfin d'attaquer plus vite. De le faire sécure quoi. Alors on va essayer de remonter par là déjà pour fuir ces machins qui sautent, parce que sinon ça va pas le faire, et aussi parce que je sais que là-haut aussi il y a un banc. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, de l'argent, c'est bien. Bon, au final on aura bientôt récupéré nos 800 géo, c'est pas plus mal. Alors, bah du coup, ce machin-là, on peut toujours rien faire, hein, on peut toujours pas passer à travers, mais
Peut-être que si on avance bien aujourd'hui, on trouvera le moyen de le faire. Peut-être. Je garantis pas. Ça dépendra de la vitesse à laquelle on avance. J'ai l'impression qu'il est dans l'espèce de zone noire à droite. Du coup, j'imagine que si on continue par ici, on retombe du coup sur... Ah non. Ok, il y a encore un autre espace. C'est vrai qu'ici on peut y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Là, on retombe du coup sur la zone qu'on connaît à gauche. Et du coup, ok, très bien. Ça va, on commence à se situer un peu dans la zone. Alors, heureusement qu'on a l'alarme d'Isma qui nous permet de nager dans l'acide. C'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, il y a encore cette grosse mouche là. Coincé là avec ce machin. Ok, bon, bah, on continue à monter. Hein. J'ai l'impression qu'on est un peu en parallèle de la grande salle qu'il y a de l'autre côté. Et ça, c'est en fait, j'imagine qu'il faut trouver. Bah là, tu vois par exemple un mur. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, je finis par taper à peu près tous les murs qui me semblent chelous. Dans le doute en me disant que si ça se trouve, je vais trouver quelque chose. Effectivement, comme tu dis. Et là, un cul. Et en plus, quand on le tape, ça le fait marrer. Je vais pas relever et je vais juste continuer à avancer. Bon bah on va continuer à avancer, hein. Du coup, ici, si je regarde la carte, ça va nous renvoyer du coup dans la zone qui est déjà cartographiée. Tout va bien, bah oui, tout va bien, tout est normal, tout est parfaitement logique. On va continuer. Hop. La méga mouche. Juste par ici, non. J'ai vu un papillon bleu, ouais, ça veut dire que par ici, certainement. Certainement que par ici il va y avoir exactement. Hop. Voilà, c'est toujours bon à prendre. On va continuer à monter avec ces machins. Ah, oh, punaise, mais ils me ratent jamais, quoi. On comprend mieux pourquoi tout le monde les déteste. Ah non, ah non, 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 non. Oh pétard quoi, mais c'est pas possible! Il y en a partout! Pas grave, c'est bon. Ah! Peut-être qu'on va voir la tête qui allait avec. Effectivement, ça doit être la tête qui va avec le cul qu'on a croisé. C'est donc Bardoun. Oh, petite chose, tu grimpes très haut. Es-tu à la recherche du savoir que ces terres recèlent? Cet endroit cendreux est la tombe du Wyrm.
J'ai entendu dire qu'il a perdu la vie depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce que la mort pour cet être ancien? Je pense, moi, que c'est une transformation de plus. Ce royaume en perdition est le produit de l'être engendré par cet événement. Donc, ce personnage est là pour nous donner du lore, des informations sur le monde qui nous entoure. Et il nous dit que ces frontières du royaume sont les tombeaux du Wyrm. Et que le Wyrm, il est mort, mais que c'est qu'une transformation. Est-ce toi qui joues avec ma queue? Mon repos est quelque peu perturbé, mais je trouve cette sensation pas désagréable. Je vais rien dire. Alors, est-ce qu'il dit quelque chose? Certains préfèrent que leurs esprits ne soient pas espionnés. C'est assez troublant et envahissant. Pardon, désolé monsieur. À ne pas sortir de son contexte. Clairement, clairement, on va rien sortir de son contexte du tout. Alors, est-ce qu'il continue la même phrase? Oh, cette pluie de cendres n'est autre que la peau de la dépouille en décomposition du Wyrm. Sans fin. Paisible. Triste. Avec ceux de son espèce disparus, le monde est maintenant plus petit. Alors effectivement, pour les observateurs aguerris, nous sommes sous terre. Il ne peut donc pas neiger. Et donc ce que nous disent, c'est qu'en fait, il ne neige pas. En fait, c'est les cendres d'un cadavre qui tombent, telles de la neige. Et voilà. Ça explique pourquoi il neige dans ce monde où il ne peut pas neiger. De la même façon qu'on nous explique pourquoi il pleut dans la Cité des Larmes, alors que nous sommes sous terre, il ne peut pas pleuvoir. Bien que dans le cas de la Cité des Larmes, c'est juste un lac qui est au-dessus et qui coule, c'est quand même un peu moins glauque. Ne te méprends pas, je ne suis pas un Wyrm. Ok. Alors, trop petit, je suis. Je possède trop de membres et aucun don de clairvoyance comme ces vieilles choses. Ok, donc les Wyrm en plus, c'est puissant et ça a un don de clairvoyance. J'ai grimpé jusqu'ici pour trouver un havre de paix, loin de toutes ces créatures cracheuses. Oh oui, tout en haut, loin de ces esprits simples, perdus à la lumière. Il existe une autre sorte d'union, rejet de la tentative d'ordre du Wyrm. Je résiste aux attraits de la lumière. Elle offre l'union, mais aussi un esprit dépourvu de toute pensée. À nos instincts les plus bas, nous sommes réduits. Donc la lumière, c'est le nom qu'il donne à l'infection. Il n'appelle pas ça l'infection, il appelle ça la lumière. Et que la lumière offre l'union, mais du coup, à un esprit dépourvu de pensée. C'est hyper intéressant tout ce qu'il raconte. Tu poursuis ton chemin? Alors je retourne à mon repos, bien qu'en ces temps-ci, le sommeil s'avère souvent difficile. Ok, et du coup, voilà. Ok, à partir de maintenant, il dit tout le temps la même chose. La lumière offre l'oignon. Quoi? L'union. L'union, pas l'oignon. L'union. L'union, j'imagine, du coup, ça permet d'éviter la discorde. Après, peut-être que la lumière permet de mieux manger, mais je suis pas certain qu'il mange beaucoup d'oignons dans ce monde. Ah, un banc. Yes, justement, j'étais à la recherche de ça. Ah, ok. Journal d'un voyageur. Alors on va s'asseoir déjà pour retrouver la carte de tout ce qu'on vient de se balader. Ouais, ça fait quand même une petite zone, hein. A priori, je vois pas de sortie qu'on n'a pas croisée. Enfin, si du coup, en bas à droite, il y a une sortie qui correspond à là où il y avait la barre noire. Mais du coup, j'imagine que cette cendre piégée. Du coup, je sais qu'il y a plus loin un boss de fin de zone, qui est assez difficile, d'autant plus que je ne me suis pas entraîné. Donc, bah je vais faire au mieux. Voilà. Hornet.
Vas-tu rechercher une vérité plus profonde? Elle n'en est pas une qu'un faible pourrait supporter. Ah ouais, d'accord, donc c'est maintenant on tire sans sommation, quoi. Prouve que tu es capable de l'affronter. Je ne vais pas retenir mes coups. Mon aiguillon est mortel et je ne ressentirai pas une once de tristesse face à la disparition d'un faible. Montre-moi que tu es digne de recevoir le passé de ce royaume et revendiquer la responsabilité de son avenir. Ok. Ok, donc c'est parti. Donc déjà, il faut être rapide. Voilà, et donc c'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser notre charge. Ah bah, du coup, je l'ai raté. Ah ouais, ces machins, c'est insupportable. Voilà, parce que du coup, quand on se concentre à essayer de les dégager, bah, elles nous attaquent. L'important c'est de toujours se garder une zone safe. Parce que si elle réussit à nous enfermer, c'est fini. Ok, ça va, pour l'instant on s'en sort plutôt bien. J'ai plus aucune idée de à quel point elle a de la vie. Je sais que c'est beaucoup. Oh! Ok. Bah tant mieux. Si fort. Tu y arriveras si tu en as la volonté. Mais pourrais-tu vraiment brandir ton aiguillon une fois que tu connaîtras de quelle manière tragique il a été créé et une fois que tu te connaîtras toi-même? Alors fais-le, fantôme d'Alonest. Poursuis ton chemin, grave la marque sur ta carapace et proclame-toi roi. Bah écoute, merci. Je pensais vraiment qu'elle avait plus de vie, mais je pense que la première fois que je me suis battu contre elle, j'avais pas amélioré mon aiguillon et que c'est aussi pour ça que ça m'avait pris autant de temps. Du coup, bah tant mieux. Et donc on voit qu'effectivement toute la neige sort de cette espèce d'immense carcasse. Ah, et t'avais pas le double saut. Oui, non, c'est clair que le double saut aide énormément. Mais c'est plein de choses, hein. Le double saut, le dash, tous mis ensemble, ça donne vraiment énormément d'avantages sur certains ennemis. Donc on voit qu'effectivement toute cette carcasse se décompose en espèce de neige qui est envoyée en dehors. Et ce qu'on remarque aussi, c'est la ressemblance entre la forme de la tête du Wyrm et autre chose qu'on connaît. La marque du roi. Alonest reconnaîtra un nouveau souverain. Les portes du royaume s'ouvriront. Là, on voit que je me suis pas dépêché comme il faut et je me fais ensevelir. C'est bien, on la bat et après on meurt comme un débile. Oh purée, j'avais jamais fait gaffe. Eh ben si, en fait, c'est... On commence à y voir un peu plus clair dans l'histoire de Alonest. La tête du Wyrm ressemble énormément à la tête de l'idole du roi. Pourquoi? Parce que le roi pâle est en fait la réincarnation d'un Wyrm, qui est un être d'une ancienne puissance avec un don de prescience. Comme nous l'a expliqué le petit personnage de... Je sais plus comment il s'appelait. Et qui nous explique donc que... En fait,
ce Wyrm qui s'est transformé en roi pouvait voir un peu, avait donc un don de prescience, donc on suppose qu'ils peuvent avoir, ils ont une sorte de vision de l'avenir et de ce genre de choses, et qu'il a utilisé ça peut-être pour, pas prendre le contrôle, mais pour affirmer une autorité dans le monde d'Alonest. Et que face à cette autorité du roi, il y avait la lumière, et cette lumière, qui est cette union, qui est face au roi, qui est en fait contre le roi, et qui infecte du coup les sujets du roi. Et c'est pour ça que le roi voulait lutter contre la lumière, parce que c'était en fait une force opposée à son pouvoir, à lui. Et donc on peut faire le lien entre pas mal d'autres choses qu'on a vues, notamment des choses que nous on n'a pas vues, mais que toi Firiel tu as vues, quand on a été ici, tout à l'ouest, qu'on a croisé des chevaliers moussus complètement attaqués par l'infection, que toi tu avais croisé alors qu'ils parlaient encore. Je sais pas si tu te rappelles, hein, c'est tout au-dessus du nid profond. On s'est retrouvé dans une espèce de zone avec 3-4 gros moussus, une espèce de boules de mousse qui parlaient, et ils étaient complètement attaqués par l'infection. Mais quand on leur parle, en fait, ils parlent de la lumière, qu'ils commencent à voir la lumière, et que la lumière déborde, et qu'il faut suivre la lumière. En fait, c'est l'infection dont ils parlent. Et en fait, ils parlent de l'infection, ils sont de plus en plus infectés. Exactement, les fanatiques, et donc ils sont en fait fanatiques de cette lumière. Et c'est pour ça qu'en fait, après, on les retrouve complètement infectés, c'est parce qu'ils se sont ouverts à la lumière, et que donc, bah, ils ont été dépourvus de toute volonté propre, comme nous expliquait le monsieur, le monsieur, monsieur Lore, je sais plus comment il s'appelle. Et donc on comprend mieux ce combat entre le roi pâle et l'infection. Bien que, bon, se battre contre une infection, ça paraît assez logique. Mais on comprend qu'en fait, il y avait un combat de pouvoir qui se jouait, en fait. Un combat, peut-être même un combat d'influence. Ah, le lore du jeu est complètement dingue, et plus on avance, et plus on se dit qu'ils ont tout prévu, et je trouve que c'est complètement dingue. Parce que même, pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est cette lumière, mais il y a une explication, il y a une vraie explication. Encore un journal. Okay. Et qu'on n'a pas pour l'instant, et qu'on aura... malheureusement pas tout de suite, mais qui est aussi ouf. Alors comment on monte? Je pense qu'on peut que monter par de l'autre côté peut-être. Ouais, peut-être. Franchement la gestion de l'histoire, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai autant aimé ce jeu, et qui fait qu'il est devenu un de mes jeux préférés, parce que ils ont pensé à tout, et la façon dont ils nous l'apportent, je trouve que c'est très très bien amené, c'est très bien pensé, c'est amené petit à petit comme il faut. Je veux dire, on apprend des choses au fur et à mesure qu'on avance, et il n'y a pas un moment où on se dit bon, c'est bon là j'en ai marre de rien comprendre, parce qu'en fait on en apprend suffisamment petit à petit pour avoir envie de continuer. Et même quand on pense avoir compris, bah on se rend compte en fait on n'a rien compris, parce que d'un coup il y a un nouvel élément qui va venir complètement changer notre vision du truc. Parce que par exemple le fameux roi là, le fameux roi pâle, on n'en a pas entendu parler avant très longtemps dans l'histoire. Alors nous sommes dans la tour de l'amour. Une porte verrouillée et rembourrée. Avec des bruits un peu chelous de l'autre côté. On
voit un bocal avec un corps dedans. Et le corps ne dit rien, d'accord. Ah, on arrive à la porte fermée. Ok. Ok, c'est les portes fermées. D'accord, très bien. Encore un bocal. Alors, ces bocaux vous rappelleront quelque chose, certainement. Alors, malheureusement, on ne peut pas passer pour l'instant. Mais donc, si ces bocaux vous rappellent quelque chose, c'est normal. Une fois encore, c'est de la narration maîtrisée à un niveau de dingue. Ici. Encore une idole du roi. Donc on voit que... Oh putain, mais ils viennent me chercher jusqu'ici, quoi. Il y a donc un certain nombre d'idoles. Donc le roi était adoré, littéralement. On se retrouve à l'endroit où on était bloqué tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et donc, a priori, si je me plante pas par ici, on va tomber sur une nouvelle zone qu'on n'a jamais rencontrée encore. Ce petit bonhomme va nous expliquer. Ah ah, je vois qu'un autre guerrier a trouvé son chemin vers notre magnifique Colisée, la destination finale pour tous ceux qui sont à la recherche de combats intenses et fatals. Tout ce que vous avez à faire est de placer votre marque sur le tableau de l'épreuve de votre choix, et voilà, les portes de l'arène s'ouvriront. Il y a de faibles frais à payer pour chaque épreuve, mais je suis sûr qu'un combattant aussi habile que vous aura accumulé une petite fortune de géo. Par contre, avant de dégainer votre aiguillon et de vous précipiter au combat, laissez-moi vous offrir un petit conseil. Il y a une fosse de guerriers juste en dessous d'ici, où d'autres comme vous attendent leurs épreuves. Je vous conseillerais fortement de vous y rendre pour vous reposer un peu avant de placer votre marque. Oh, et sachez que je suis moi-même un guerrier redoutable. N'allez pas me juger à cause de ma taille ou à cause de mes... limitations. Le Colisée nous appelle tous les deux. Je serai bientôt de retour au combat. Faites une contribution pour participer à l'épreuve du guerrier. Payer pour participer à l'épreuve du guerrier. Bon bah allons-y, on a suffisamment d'argent pour se permettre ça. Eh bien, une... enfin, j'avais pas fait attention, c'est Petit Nigo qui nous parle. Eh bien, une nouvelle épreuve vous est ouverte. J'espère que votre performance sera spectaculaire. Bon bah, tant qu'on est là, je vous propose qu'on s'attaque au niveau 1 du Colisée. On fera pas forcément les niveaux les plus hauts parce qu'ils sont quand même difficiles, hein. Ah, voilà notre camarade Tizo. Pâle créature, alors toi aussi tu l'as trouvé, cet endroit parfait. Je vais bientôt entrer en combat, je prends juste un peu de repos. Bien qu'il n'en existe que très peu pouvant vraiment me défier, j'espère que cette arène présente le genre de défi brutal que je cherche. Déjà le niveau est pas mal. Ah non, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est forcément facile. Mais là, avec tout ce qu'on a comme... je veux dire, comme chose, on a le dash, on a le double saut. A priori, le 1 devrait être faisable. Peut-être pas en une fois forcément, mais ça devrait être faisable. Le boss. Ah, le boss. Une pépite, le boss. Allez. Placez votre marque. Oui.
Et c'est parti pour le Colisée. Je sais plus comment ils disent le Colisée. Je sais plus. Il y a trois niveaux. Colisée des fous. Alors, je ne sais plus du tout comment fonctionnent ces ennemis. Oui, le Colisée des fous, mais je sais que chaque niveau a son propre nom. Mais je suis plus sûr. Peut-être que le Colisée des fous, c'est le niveau 1. Ses armes. C'est très pratique. C'est bien parce que du coup on n'a même pas besoin de se rapprocher de lui, il suffit de lui renvoyer ses propres trucs. Quel problème est réglé? Ah par contre là, ils ont trouvé mon point faible. Là, là, là. Ok, ça c'est bien. Ouf, c'était chaud. Ouf. Ok, ça. Vas-y, viens, hop. Vas-y, viens. Ok. Ah, la grosse mouche. Oh là là, ça c'était nul. Alors, pour ceux qui se rappellent, on l'a déjà battu ce boss. Une fois. Ah!
Exact, pour sauver notre héros à tous. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pour nous interdire de sauter par-dessus. Pas de soucis, t'inquiète, je maîtrise. Oh, des mouches infectées. Enfin, des mouches qui ont vu la lumière, si on veut être... Voilà des deux grouses qu'on a aussi déjà battu, mais en version console, tout début du jeu. Oh, un emplacement de char, parfait. Ok. Il me semblait qu'il y avait quelque chose en plus. Alors, pour expliquer, du coup, on est censé normalement croiser Zot ici à la fin de ce premier colisée. Et en fait, pour ça, il faut qu'on l'ait sauvé dans les nids profonds. Mais je suis pas sûr qu'on l'a sauvé dans les nids profonds. Parce que les nids profonds, je les ai fait vraiment rapidement, en essayant d'aller dans le moins de zones possible. Et je vois notamment ici une petite zone que j'ai pas faite. Je me demande s'il serait pas là. Peut-être. Je dis bien peut-être. Et donc ça, c'était quoi? Ah là, ça. En fait, ça, c'est l'épreuve des guerriers. Ah oui, d'accord. Et donc, si on veut aller à l'étape d'après, il faut payer. D'accord. Bah, on a fait le niveau 1, on n'a pas forcément besoin de faire le niveau 2 maintenant, parce que bon, le niveau monte fort quand même d'un niveau à l'autre. D'autant que on a plein d'argent. On va peut-être aller acheter quelques trucs pour sauvegarder tout ça. Parce que plus on avance et plus ça va devenir difficile. Retourner à Dirtmouth, aller voir s'il y a encore des trucs à acheter, parce que j'en suis pas certain, mais le problème c'est que mon argent, si j'ai plus nulle part où le dépenser, je vais être obligé de me balader avec. Et qu'est-ce qui se passe? Ces armes de première qualité. Les combats de Géo sont bien plus mortels. Alors, un autre est prêt à rejoindre notre groupe. J'ai un cadeau pour toi, guerrier. En tant que marchand, je dois bien admettre que cela est très difficile pour moi de m'en séparer gratuitement. Cependant, en tant que maître d'aiguillon, je peux reconnaître ton talent. Tu as maîtrisé les arts de mes autres disciples. Ce faisant, la tradition décrète que tu peux toi aussi porter la marque de maître. Porte-la fièrement, maître d'aiguillon, car tu seras à jamais le dernier à la recevoir. Attends. Un charme contenant la passion, le talent et les regrets d'un maître d'aiguillon augmente la maîtrise des arts de l'aiguillon, permettant de canaliser et de libérer leur puissance plus rapidement. Alors, c'est hyper cool, mais ça veut dire que Sly, c'est un maître d'aiguillon. Et même mieux que ça, c'est le maître
des trois gars qui nous ont appris nos techniques d'aiguillon. Bama. C'est quand même fou. Bon, du coup, j'imagine que si je veux le revoir, je reviens. Oui, voilà, exactement. Wait, what? Exactement, t'as bien compris. Donc Sly, c'est le maître des maîtres d'aiguillon. Une clé. Juste une clé. Bah oui, tant qu'à faire. Azigo duel contre lui là. Malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas le défier aussi facilement. Alors. Ah, Firel, t'étais peut-être pas là tout à l'heure quand j'ai montré ça au tout début. On a un nouvel endroit qui est apparu ici, à gauche de notre. De Dirtmouth. Parce que, à la fin du précédent stream, t'étais déjà parti malheureusement, on a allumé une flamme rouge. Et depuis. Ces temps sont arrivés. Et à l'intérieur, on a croisé un personnage qui se nomme Grimm et qui nous a demandé d'accomplir un rituel à l'aide de son fils, qui est ce personnage-ci. Mais voilà, ce petit personnage-là qui nous suit, qui est en fait le fils de Grimm. Et lorsque on l'a équipé avec nous, des flammes apparaissent sur notre carte et il faut qu'on se rende à l'endroit de ces flammes pour comment je vais dire, pour récupérer les flammes et les ramener à Grimm. Voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, comme c'est pas vraiment notre route, bah, j'ai préféré pas y aller. Moi, ce que j'aimerais faire là maintenant, ce sera d'aller ailleurs. Alors bon, est-ce que déjà ça, qu'est-ce que je peux prendre? Comme celui-là, je l'aime vraiment bien, faut que je le garde. Celui-là, il est cool. Bah, je vais garder mon tourmenteur d'âme et je vais prendre maître de la vitesse. Maître de la vitesse, très bien, voilà. Comme ça, maintenant, je me déplace vite. Et donc, je disais. Oui. Maintenant que nous avons la marque du roi, que nous avons récupérée dans la carapace abandonnée du Wyrm, nous allons pouvoir nous rendre à un endroit où, si vous vous rappelez bien, on a vu la forme de la marque du roi. Et ça, c'était au fond du bassin ancestral. Et ce que je vous propose, c'est que on regarde une petite chose. Donc vous vous rappelez, voilà. Donc là, ici, on a donc la marque du roi, qui d'ailleurs s'allume devant notre passage et s'ouvre. Et on va examiner le texte qui est ici. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Notre vaisseau pur a fait son ascension, il ne reste au-delà que le refus et les regrets de sa création, nous n'entrerons plus dans cet endroit. La première fois qu'on a lu ce texte, ça ne voulait absolument rien dire. Sauf que entre-temps, on a fini le jeu, et on a battu un personnage qui s'appelle le Hollow Knight. Et la description que nous en donne le chasseur, c'est « Vaisseau qui a atteint maturité, porte la source du fléau dans son corps ». Et les détails en plus, c'est l'ancien roi d'Alonest, donc on parle donc du roi pâle, hein, il devait être désespéré de sauver le monde en déclin qu'il avait créé, les sacrifices qu'il a imposés aux autres, tout cela sans le moindre résultat. Et une fois encore, on a des petits bouts qui commencent à se coller les uns aux autres, où on parle d'un vaisseau pur, qui a fait son ascension,
Et ici, le Hollow Knight, on dit que c'est un vaisseau qui a atteint la maturité et qui porte la source du fléau dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, le vaisseau dont on parle sur cette pierre, bah, c'est le Hollow Knight. Et ce Hollow Knight contient en lui la source de la lumière, de l'infection, en fait. Et c'est à ça que sert le Hollow Knight, c'est à contenir la lumière pour éviter qu'elle n'infecte tout le monde. Et en fait, c'est le roi pâle qui apparemment était désespéré de sauver le monde qu'il avait créé. Et du coup, il a fait le sacrifice de ce vaisseau pour essayer de sauver le monde qu'il avait créé. Et tout ça n'a servi à rien, d'après ce que nous dit le chasseur. Voilà. Et donc ici, nous allons entrer dans une zone qui a été scellée par le roi, puisqu'elle ne contient que tout ce qui est des regrets de la création du vaisseau pur, du Hollow Knight. Nous sommes sur une terre très désolée. Même la musique, on peut pas vraiment dire qu'il y en ait, on est plus sur une forme d'ambiance lourde. Ouais, hein, c'est plus dark que le nid profond, mais c'est moins, j'allais dire c'est moins glauque, mais nous sommes donc dans les abysses, et on peut voir que le sol est composé. D'êtres qui ressemblent fort à notre personnage et au Hollow Knight. Et au vaisseau brisé, et à tous ces personnages. Ouais, hein, c'est le fun, hein. Ah oui, ok, je sais ce qu'il y a ici, mais pour l'instant, ben, voilà, il y a encore des choses qu'on n'a pas débloquées, donc on peut rien faire. Et du coup, je suis curieux, on nous dit, ça s'appelle, donc ces personnages s'appellent Famille, fragment d'une volonté persistante. Donc, voilà, ils s'appellent Famille. Même sans tomber, on se prend un coup. Famille nombreuse, hein. Ouais, là pour le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc de l'âme, c'est très bien. On voit qu'il y a un personnage ici. Éteins-la. Non, impossible, mon roi. Je suis désolé. La mer m'appelle.
Donc, on a allumé la lumière. Ok, et du coup j'imagine que ça a calmé un peu les espèces de monstres qu'il y avait dans cette espèce de mer bizarre. Voilà, c'est ça. Et du coup j'imagine que voilà, on ne peut pas passer à travers. Parce que c'est trop haut pour nous, et donc on ne peut pas aller récupérer tout ce qui est là-bas. Mais par contre, il y a quelque chose ici. Et nous avons maintenant absorbé la cape des ombres. Nous pouvons appuyer sur le bouton qui nous sert à dasher pour effectuer une ruée en avant. Dissimulé dans l'ombre. Utilisez la cape pour effectuer une ruée à travers les ennemis et leurs attaques sans subir de dégâts. Je sais à quoi ça sert. Effectivement, je pense que du coup tu as compris à quoi ça sert. Exactement, foutu colonne noire. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on dash, on devient une espèce d'ombre et en fait on peut passer à travers à peu près tout. Sauf évidemment les parties du décor, hein. Mais on peut passer à travers les ennemis notamment. Et donc si je fais ça, je peux passer à travers. Et donc là, j'ai récupéré un œuf arcanique, qui est un objet qu'on peut vendre contre beaucoup d'argent. C'est clairement ultra puissant, et c'est clairement ce que j'avais l'habitude d'avoir quand je jouais avant en essayant de dasher à travers les ennemis. Et du coup, ça va nous permettre d'accéder à un certain nombre de nouvelles choses. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on débloque quelque chose, hein, d'ailleurs. Mais donc, ça va notamment... À la fin du jeu, le kit du héros est insane. Clairement, c'est clairement plus on avance et plus on a des capacités ultra ultra puissantes. Et c'est pour ça que c'est tout aussi dingue, c'est de se dire que malgré ça, le jeu est quand même difficile. Voilà, et donc on est revenu à la zone du début. Et donc bah, maintenant il va falloir tout remonter. Et donc on voit qu'il y a des espèces de cadavres de vaisseaux un peu partout. Mais d'un autre côté, c'est assez logique quand on y pense, parce que nous-mêmes, quand on meurt, on devient une espèce d'ombre. Du coup, s'il y a effectivement autant de cadavres de vaisseaux en bas, bah c'est logique qu'il y ait plein d'ombres aussi. Fait. On peut voir, hein, il y a même plein de petites taches d'ombre un peu partout. Babla Hornet, justement. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Fantôme, je vois que tu as affronté le lieu de ta naissance. Et est maintenant enveloppé de la substance de son ombre. Bien que notre force soit née d'une source similaire, cette partie de toi, ce vide indispensable, je ne le possède pas. C'est étonnant qu'une telle obscurité me donne de l'espoir. En elle, je vois la chance d'un changement. Tu vas devoir suivre un chemin difficile, mais cela t'offrira un choix. Prolonger la stase de notre monde ou affronter la source de son infection. Alors, faut qu'on assimile tout ce qu'elle vient de nous raconter. Donc, déjà, nous, on est d'originaire d'ici. Notre personnage est né ici, dans les abysses. Ensuite, on a en nous un vide
qu'on a en plus absorbé grâce à l'espèce de liquide dans lequel on vient de se plonger, qui en fait est du vide, si on comprend bien. Et nous, on est composé de vide, mais pas Hornet. Elle ne possède pas ce vide. Mais grâce à ça, on va pouvoir, nous, battre la source du fléau, du coup, la source de la lumière. Donc en fait, la lumière n'est pas le fléau en lui-même. Le fléau est en fait c'est un peu la rivière d'une source. Donc il y a une origine à tout ça. Il y a une origine à cette lumière, il y a une origine à ce fléau. Et on peut soit la contenir, comme le Hollow Knight, soit aller se battre directement contre la source. Je t'implore de prendre le chemin le plus difficile, mais c'est à toi seul qu'appartient la décision de ce qu'il adviendra de nous tous. Donc elle nous dit, s'il te plaît, je t'en supplie, va te battre contre la source du fléau directement, mais au final, c'est quand même toi qui choisis. Voilà, je t'implore de prendre le chemin le plus difficile, mais c'est à toi seul qu'appartient la décision de ce qu'il adviendra de nous tous. Est-ce qu'elle est toujours là? Ouais. C'est. Voilà. Donc en fait, plus on avance, et quand même plus l'histoire commence à se reconstruire, et où on commence à comprendre vraiment l'objectif final de notre personnage, qui est en fait de annihiler la source même du fléau, plutôt que de la contenir, comme le fait le Hollow Knight. Voilà. Voilà, du coup maintenant on va avoir les abysses qui vont apparaître, voilà. Et donc il n'y a plus qu'une seule zone que nous n'avons pas encore visitée du tout, ce sont les jardins de la reine. Parce que en fait tous les autres, on les a déjà visités. Il y a a priori même, je dirais, plus trop d'endroits où on ne peut pas encore aller. Au final, à part les lieux qui emmènent vers les jardins de la reine, c'est-à-dire bah, du coup là où on a réussi à passer jusqu'ici et au-dessus là dans les verts chemins qui en fait conduisent vers les jardins de la reine, je pense pas qu'il y ait d'autres chemins qu'on n'ait pas encore pu prendre. Je vois ici qu'il y a une épingle, donc certainement un endroit où on n'a pas encore été. Après, il y a forcément les épingles de comment je dirais, de racines murmurantes ou de guerriers, de tombes de guerriers. Mais donc tout ça, c'est pour gagner des essences et encore avancer un peu plus dans l'histoire de Alonest. Même si on a quand même quelque chose de plus en plus construit, hein. On comprend vraiment de mieux en mieux l'histoire. Surtout aujourd'hui, je trouve, on a fait une énorme avancée en termes de lore. J'hésite. Je pense que ce que je vais proposer plutôt que d'aller dans les jardins de la reine, parce que ça nous prendrait un petit peu de temps de voir tout ce qu'il y a là-bas, on va plutôt essayer de voir ce qui se passe si on essaye de faire le rituel de Grimm. Parce que ça aussi c'est intéressant comme histoire. Alors, il nous prend combien d'emplacements? Deux, donc on va enlever ça. On va enlever. Non, ça, je veux bien qu'on le garde. Ok, on va mettre ça à la place. Hop, et on va remettre non, 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 on va pas être surcharmé. On va mettre ça. Voilà, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose dans la zone? Non, tout est en haut, hein. Ok, d'accord. Eh ben du coup, on va pouvoir aller du côté de la Cité des Larmes parce que c'est juste à côté de la station. Alors, entrepôt de la cité. Ah.
Et on remarque que, une fois encore, ce sont des rosaces. Donc en fait, Grimm a un lien avec le monde des rêves, si on y réfléchit bien. Nous avons consumé une flamme. Très bien. Et bien, c'est parti pour la deuxième flamme, qui est du coup dans les verts chemins. C'est quand même pratique d'avoir débloqué presque toutes les stations de coléoptères, parce que du coup, on se déplace quand même beaucoup plus vite. Allez, c'est parti. Ouf. Oh, son rire est insupportable. Je vous propose qu'on y aille à pied. Ah non, non, parce qu'on doit aller de toute façon. Oh, si, on va y aller à pied, parce que comme ça, on pourra rendre visite à Papa Chenille. Parce que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas dit bonjour. Et qu'il a certainement beaucoup de choses à nous donner. Un minerai pâle, ah, c'est cool ça. Est-ce qu'on a combien de minerai pâle ici? On en a deux. Il me semble que quand on en aura trois, on pourra aller améliorer notre aiguillon une dernière fois. Et ça, ce sera cool. Parce que notre aiguillon est déjà bien puissant. Mais avec une fois de plus, ce sera top. C'est clair, c'est une famille très nombreuse. Bon, du coup, est-ce que Sly a encore des choses à nous vendre? Parce que... Tu sais bien qu'il ne me reste plus rien, tu as tout pris. Ou peut-être espérais-tu pouvoir jeter un coup d'œil sur une montagne de géo? Eh bien, c'est la mienne maintenant. C'était un échange équitable. Ok, donc, Sly n'a plus rien à nous vendre. Mais est-ce que Iselda a des choses? Je pense pas non plus. Et donc on peut voir Cornifère qui dort derrière. Toujours à la recherche de plus de fournitures. Vous en avez déjà acheté tellement. Malheureusement, nous n'avons plus rien à vendre pour le moment. Vous avez vidé la boutique. Il ne fait aucun doute que Cornifère en sera fou de joie. Mais je me demande bien ce qu'il va faire avec autant de géos. Ok, très bien. Bon, bah ça veut dire que là, tout notre argent, on peut pas le dépenser parce que... Parce que ça veut dire... Ah non, oui. Non, ça veut dire qu'on peut aller acheter maintenant un emplacement de charme en plus. C'est une bonne chose, ça. Comme ça, je peux dépenser plein d'argent d'un coup. Et éviter de mourir de façon bête. On va aller, du coup, dans les routes oubliées. Contaminé maintenant, parce que là, pour le coup, la lumière, elle a bien fait son travail. Disons que tous ces gens sont très lumineux, on va dire ça comme ça.
aussi un tramway. Hop, hop. Voilà. Alors. Et voilà. Un nouvel emplacement de charme. Donc c'est bien. Alors, ceci est un... Donc on peut... La dernière chose qu'on peut lui acheter, c'est la bénédiction de Iselda, qui est un objet très spécial pour ceux qui aiment les charmes autant que elle, du coup. Lorsque tu auras 40 charmes en ta possession, je te le vendrai avec plaisir, il t'en faut encore 15 de plus, continue d'en collecter. Donc là, à partir de maintenant, Iselda n'a plus rien à nous vendre jusqu'à ce qu'on ait l'entièreté de tous les charmes du jeu. Parce qu'il nous en manque encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il nous en manque encore 15. Donc effectivement, tant qu'on n'aura pas récupéré tous les charmes, alors Iselda n'aura plus rien à nous vendre. Donc à partir de maintenant, tout l'argent qu'on récolte n'a plus vraiment d'intérêt parce que on n'a plus rien à acheter à aucun des marchands. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on enlève ce truc qui nous sert du coup plus à rien et qu'on le remplace par autre chose. Alors, est-ce qu'on a autre chose hein? Par exemple, longue lame, ça peut être sympa. Donc là, on va avoir une portée de malade, et pourquoi pas la gloire du maître d'aiguillon, tant qu'à faire. Donc là maintenant on a une portée de fou, je sais pas si vous remarquez, mais on peut attaquer de très très loin, et ça c'est vraiment cool. On pourrait même essayer un truc ah mais non, puisqu'on a besoin de l'héritier de Grimm pour l'instant, mais sinon on pourrait essayer en plus de mettre la l'entaille rapide pour pouvoir attaquer loin et vite. On sauvegarde, on va remonter à Dogmouth et on va aller essayer de récupérer cette troisième flamme du coup. Voilà. La flamme est consumée. On va donc maintenant pouvoir retourner. C'est ça, retourner voir le maître de cérémonie, Grimm. Très bien, la flamme brûle dans cet enfant. Le maître vous attend. Je peux le sentir, la chaleur de la flamme que vous avez rassemblée. Un acte d'ouverture magistrale, l'air bourdonne d'excitation. Cher enfant, vous avez fait un très bon travail. Laissez votre feu brûler de mille feux. Oui, c'est magnifique. L'enfant a changé.
De la jeunesse oisive, il est devenu un compagnon mortel. Son aide sera sans doute la bienvenue pour traverser ces terres dangereuses. Ne négligez pas notre danse, car elle continue. Continuez à chasser cette essence dispersée et écarlate. Lorsque l'enfant sera rempli de flammes une fois de plus, vous pourrez retourner sur la scène et la représentation commencera. Ok, donc, le fils de Grimm a level up. Baba Gondala. Et donc maintenant, apparemment, il peut m'aider à attaquer les ennemis. Ouais, clairement, Grimm, je pense que c'est facilement l'un de mes personnages préférés. Ah, tiens, le fils se repose. Alors, où sont les flammes? Nous en avons une dans la passe du roi, une ici dans les... comment je veux dire, dans le repos éternel, et un ici dans les frontières du royaume. Voilà. Ben, on va commencer par la passe du roi, c'est le plus rapide. Enfin, le plus près en tout cas. Et c'est aussi un de mes boss préférés, malgré le fait qu'il est tellement difficile. La version finale de Grimm est une difficulté complètement dingue. Et en même temps, du coup, c'est tellement fun, je veux dire ça comme ça, parce que... Non, t'inquiète. Hop. Je pense que j'ai été un peu trop loin. Ouais, j'ai été trop loin. Bah non, c'est là. Et donc on voit que le... Ouf. Donc on voit que petit Grimm envoie des... Oh là là, putain, je suis pas concentré. Envoie des flammes aussi sur les ennemis. Ouais, toujours avec leur rire chelou là. Ouais, ils sont compliqués. Surtout que vu qu'ils se téléportent et tout. Ah ok, ça. Téléportent, on peut vraiment leur donner que un coup à la fois, il faut bien calculer le coup quoi. Alors, du coup, on est au milieu de nulle part, donc si on veut aller dans le repos éternel, on va devoir, ok, bon bah ça veut dire faut retourner à Dirtmouth, choper le... Ok, non, ça c'est le mauvais côté, choper le... Oh, le coléoptère et et donc on remarque que Grimm appelle aussi ses flammes les essences de la même façon que la voyante appelle ce qu'on recherche pour les guillons des rêves des essences. Donc il y a quand même un parallèle entre le rituel de Grimm qu'on est en train de faire et les essences des rêves qu'on ramasse parce que la voyante nous le demande. D'autant un parallèle qui est confirmé par le fait que ces essences sont représentées par des rosaces. Sauf que ces rosaces-ci sont complètement écarlates. Que les essences de rêve sont plutôt roses. Ok. Ça
c'est fait. Et la troisième, on a dit qu'elle était du côté des frontières du royaume. Du coup, on va retourner du côté du coléoptère. Hop. On vient de passer devant les rêveurs, alors ça me fait penser à une petite chose. On a parlé du coup du roi pâle qui était prêt à tout sacrifier pour sauver son royaume. Et du coup, pour ça, il a utilisé le Hollow Knight pour contenir la lumière. Mais ce Hollow Knight était enfermé dans l'œuf noir gardé par les trois rêveurs. Du coup, on peut supposer de façon assez logique que les rêveurs étaient au mieux des alliés, enfin au pire des alliés du roi pâle, et qui du coup ils étaient d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait contenir l'infection. Du coup, on suppose qu'il y a eu une forme de plan qui s'est créé autour de tout ça, et que le roi pâle, soit on a parlé avec eux, soit ils ont eu l'idée ensemble, soit. Ben voilà. On suppose qu'en tout cas, il y a eu un échange autour de tout ça. Parce que du coup, toi, Firiel, est-ce que tu as été dans les nids profonds, tu as été où par rapport au moment où tu es allé dans les frontières du royaume? Est-ce que tu te rappelles l'ordre dans lequel tu l'as fait? Est-ce que tu as d'abord été dans les nids profonds, puis dans les frontières du royaume, ou est-ce que tu as fait l'inverse? Est-ce que tu te rappelles de ça? Parce que ça a une importance par rapport, encore une fois, à du lore. Parce qu'en fait, si jamais on fait d'abord les frontières du royaume et ensuite les nids profonds, ça veut dire qu'en fait, qu'en gros, on a battu Ornette pour la deuxième fois avant d'aller jouer contre Hera la bête. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que quand on finit comment je veux dire, par absorber Hera, en fait, Ornette apparaît. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que Ornette est venue dans les nids profonds après que tu aies battu Hera? Bah en fait, du coup, pour t'expliquer, parce que là, du coup, en l'occurrence, j'ai fait pareil dans le stream, donc on l'a pas vu. Mais dans ma première partie, j'ai fait d'abord les frontières du royaume avant d'aller du côté des nids profonds, parce que j'avais pas envie d'aller dans les nids profonds. Et du coup, Ornette est apparue, et en fait, elle m'a expliqué que Hera, en fait, c'est sa mère. En fait, Ornette est la fille de Hera. Et que lorsque le roi pâle est venu demander de l'aide à Hera pour enfermer le Hollow Knight, en fait pour protéger le Hollow Knight, il lui a demandé d'être une rêveuse et elle a dit OK, mais seulement si tu me permets d'avoir une enfant. Et que du coup le roi pâle soit le père de cet enfant. Du coup, Ornette est en fait la fille du roi pâle et de Hera la bête. Et du coup, ça rend la relation avec Hera,
Donc en fait, c'est littéralement la princesse du royaume, exactement. Et en fait, du coup, quand on part, en fait, Ornette se recueille sur la tombe de sa mère. Donc en fait, il y a eu un peu cet échange qui a eu lieu où Hera voulait avoir un enfant, en tout cas, et en échange de sa vie pour le royaume, eh ben, elle a demandé d'avoir du coup un enfant pour. Je pense pour s'immortaliser d'une quelconque façon, je pense qu'on peut parler de concepts philosophiques là-dessus, mais voilà, l'idée était là. Et du coup, comme je suis pas sûr qu'on va nous le réexpliquer plus tard, je préfère le dire. Parce que quand je l'ai vu sur le moment, j'étais en mode waouh. Donc en fait, voilà, Ornette a à la fois du sang de Hera la Bête et du Roi Pâle, ce qui fait qu'elle a quand même une certaine puissance en elle qui est pas négligeable. Et ce qui explique aussi qu'elle en sache autant sur tout l'univers autour du Hollow Knight, de l'œuf noir, de ce qui peut ou pas être fait, puisqu'en fait, c'est, j'imagine que tout ça lui a été expliqué. D'ailleurs, je suis même presque sûr que. Oui, c'est pour ça qu'elle nous casse la gueule, effectivement. Mais je suis presque sûr qu'il y a un personnage dans les Nids Profonds qui est en fait sa nourrice et qui nous explique comment, enfin, qu'elle lui a tout expliqué. Enfin, il y a tout un truc comme ça aussi où, enfin, vraiment, le lore est complètement dingue, quoi. Et oui, effectivement, parce qu'en fait, nous, en arrivant, en absorbant le reste des rêves de sa mère, bah, en fait, on la scelle, on la tue, en fait. Donc voilà. Baba Gondala. Très bien, la flamme brûle dans cet enfant. Le maître vous attend. Et nous voici donc de nouveau devant Grimm. Formidable, formidable. Ceux de mon espèce arrivent. Le moment est venu. Ce feu brûlant, il contient bien la promesse du rituel. Danse avec moi, mon ami. La foule s'impatiente. Montrez-leur que vous êtes digne d'un premier rôle. Ok, alors j'avais effectivement oublié que ce serait maintenant. Mais donc on va effectivement devoir se battre contre lui. La musique est magique et la musique est magnifique. Alors je suis désolé, du coup je vais être plutôt concentré sur ce combat parce qu'il est vraiment difficile. Et encore, ça c'est la version facile du combat. Mais du coup je vais quand même me concentrer. Normalement, il devrait y avoir moyen que je m'en sorte. Mais je vais quand même me concentrer. Parce que tous ces mouvements sont très facilement anticipables, mais il faut juste avoir les bons réflexes. Ça
c'est la partie difficile. Allez, ça va, ça se passe bien pour l'instant. On a même un peu de marge, j'ai toute ma vie, j'ai réussi à récupérer tranquillement. Hop. Normalement encore un ou deux coups et il devrait passer. Ah bah bon, très bien. Merci, merci. Bravo, mon ami. Écoutez comment la foule vous adore. Ils n'ont pas vu un tel spectacle depuis tellement longtemps. Regardez par ici. Notre enfant a tellement grandi, nourri et renforcé par la chaleur de notre danse passionnée. Vous allez figurer tous les deux dans de nombreuses tragédies et triompher ensemble, j'en suis certain. Et avec cela, je pense qu'il est temps pour nous de nous dire au revoir. Après une performance comme celle-là, de quoi d'autre le rituel pourrait-il exiger de nous ? Sortez dans l'obscurité, mon ami. Quittez notre scène et laissez-nous performer notre acte final. Et encore un emplacement de charme, décidément. Ah, il n'y a plus le musicien, tiens. Et du coup, j'imagine qu'il va y avoir encore des flammes quelque part. Voilà, c'est ça. Trois flammes. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter pour ici pour aujourd'hui. Le combat final était sympathique avec Grimm. Alors, c'était la version maître de cérémonie, puisqu'il y a une autre version, la version d'après. C'est-à-dire que là, si on va chercher les trois flammes, on va donc finaliser le rituel et tomber contre la version. La version évoluée de Grimm, qui est le roi des cauchemars. Et donc on comprend le parallèle avec les rêves, hein, puisque du coup, d'un côté on a les rêves et de l'autre côté on a Grimm qui est en fait les couches qui en fait correspond au cauchemar. Et du coup, bah ça ce sera éventuellement pour la prochaine fois, à voir en fonction de comment les choses évoluent, parce que de toute façon, la prochaine fois, il faudra aussi qu'on se penche sur les jardins de la reine, puisque maintenant que nous avons notre ruée de l'ombre, on va pouvoir rentrer dans ces jardins et voir ce qu'ils ont à nous offrir, puisqu'il y a là aussi encore de l'avancée dans le lore. Un peu moins que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, parce qu'on a fait vraiment énormément d'informations sur le lore aujourd'hui, mais il y a encore quelques petites choses intéressantes à voir au niveau du lore, notamment quelque chose en lien, je sais pas si tu te rappelles Firiel, mais je t'avais parlé d'un quatrième trône qu'on avait vu chez les Dames Mantes. Et bien ici, dans les Jardins de la Reine, nous allons pouvoir trouver l'explication de ce quatrième trône qui était brisé. Donc encore un peu de lore. Donc en fait, ça, on va voir l'explication de ça dans les Jardins de la Reine. Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. C'était vraiment fun. La soirée était vraiment très intéressante. On a vu beaucoup de choses. On a bien avancé. C'était vraiment cool. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous.